Il y a plus de 20 ans, je descends dans le Quercy, l'été surtout, et dès que je le peux au printemps, quand la belle saison se décide à poursuivre de bonnes intentions. J'y reste jusqu'à l'automne, saison durant laquelle je me sens mûrir comme une grappe de la treille. Le parcours Paris-Cahors, à l'aller comme au retour, ne me lasse point. J'aime ce chemin de fer invariable, au bout duquel je trouve une halte, un séjour fignolé de mes mains. Je me tiens debout dans le couloir où je colle mon visage à la vitre du wagon. Je reconnais quelques nobles maisons que j'aimerais habiter. J'en retiens la chambre sous le toit qui donne sur un pré en pente ou sur la lisière d'un bois. Les châteaux m'impressionnent, surtout ceux qui tombent en ruine. Les autres sont encore dans les mains de propriétaires très sûrs d'eux-mêmes. Il me plairait de m'y arrêter pour un temps, pour une après-midi, sur la terrasse de préférence au salon. Je quitterai la compagnie châtelaine vers le soir, sans lui révéler mon état civil, laissant derrière moi des interlocuteurs étonnés avec qui je ne me serais entretenu de rien, leur faisant seulement comprendre que je ne suis pas insensible à l'oisiveté élégante. Ensuite, je m'engagerai dans l'allée cavalière, sans me retourner, gentiment et à pied. Je n'ai jamais pensé que je pouvais être dans les palais, les belles demeures, quelqu'un d'autre qu'un passant occasionnel et enchanté. Nous sommes dans l'enclos aux brebis. C'est un endroit que vous aimez ? Beaucoup. Beaucoup. C'était un endroit tout à fait affaissé par ses murs, dans ses murs. Donc les gens y passaient, n'avaient pas de retenue. Et puis on a rebâti ça par un spécialiste de la pierre sèche. Et j'y suis bien, parce que c'est un enclos sans être une prison. Parce que c'est à hauteur d'homme, n'est-ce pas ? Je vois. Et puis moi j'aime bien m'enfermer, je suis un peu cellulaire, n'est-ce pas ? Les peintres aiment cet endroit ? Non, les peintres sont presque obnubilés, presque toujours obnubilés par le midi. Non, moi j'ai toujours été étonné que les peintres qui sont venus ici ne trouvent que c'est pas pictural. Moi je ne sais pas du tout ce que ça veut dire, ce qui est pictural ou pas pictural. Et ici, dans les murs qu'on voit et les valeurs abstraites des choses vous intéressent ? Oui, alors elles cessent de l'être pour moi. Du moment que c'est une réalité, c'est terriblement figuratif, mais c'est une figuration auquel personne n'a jamais songé. Parce que les thèmes nous ont été imposés à tout jamais, le saladier, la pomme, la femme, la nudité de la femme, le tableau religieux, etc. Et